Totalement. Tu as suivi en fait avec les yeux et la tête, mais toi, ça, la tête aussi. Et donc dès que je dis le mot d'or, en fait, tu fermes les yeux, tu retombes dans l'état de relaxation comme tout à l'heure. Voilà, totalement détendu, totalement relaxé. Maintenant, tu vas imaginer. J'oublie juste, je vais prendre une carte, on va faire un truc. Tu te rends compte de ce qui vient de t'arriver là? On collera la main après. Tu te rends compte de ce qui vient de t'arriver ou pas? Hein? Steve, là tu peux. Ouais, Jolène, t'as conscience de ce qui vient de t'arriver ou pas? Bah ouais, mais. Tu sais que t'étais comme ça, il t'a fait. Tu te dis, ouais, ça va pas marcher. Voilà, donc tu es droitier. Ouais, mais tu tends ton bras comme ça, je fais une pince. Ça, en fait, tu vas tenir ça et en fait, tu vas. Par exemple, là tu piques là le point là, ouais. Tu te répètes dans ta tête, je vais lâcher cette carte, tu vois, et puis plus tu vas répéter cette carte, tu vas sentir tes doigts se couler de plus en plus. En fait, plus tu te répètes dans cette carte, plus tes doigts se collent et je vais mieux. Ça doit être marqué là-bas, monsieur. Juste là, ouais. Parce qu'ils sont collés pareil, au dehors, tu retombes dans l'état de relaxation. Totalement détendu, magnifiquement bien, très bien tout ça. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer un truc. Bon, quand je dirai le mot pause, en fait, tu te figeras comme une statue. Et quand je dirai le mot lecture, tu vas pouvoir rebouger. Entre le mot pause et le mot lecture, c'est comme si t'es rien passé. Vraiment rien passé, c'est même pas une millième de seconde. Et par contre, quand j'aurai dit le mot pause, quand tu seras figé comme statue, tu pourras plus entendre, plus voir et plus parler. Mais ce sera temporaire, bien sûr. Et donc, quand je dirai le rôle. Quand je redire le mot lecture, c'est comme toi normalement. Bon, je vais répéter. Quand je dire le mot pause, tu te figeras comme statut, tu ne pourras plus voir, plus entendre et plus parler. Quand je dire le mot lecture, tu dois pouvoir rebouger normalement. Et entre le mot pause et le mot lecture, c'est comme si tu n'es rien passé. Maintenant, je compte 1 à 3 et 3 et 2. 1, 2, 3. Ça va, finalement. Il va recommencer. C'est tellement léger, mec. Enfin, on va essayer un truc fait comme moi. Pause. Lecture. Attends, on va aller fixer un peu pour nous pour voir mais ça. Tu vas fixer cette carte. Pause. Lecture. T'as vu? C'est bon. Je m'en pousse elle. T'as vu? T'as mis. Ouais, c'est... Ah, parce que mon pote, des fois, c'est un peu plus dur de faire voir, de pas faire voir. Je m'en souviens. Ouais, tu t'en souviens. Bon, on va. Si tu as rapuché la main. Ouais. Et on va. J'ai dit que. Voilà, donc on va reprendre le pause et le plan. Quand j'ai le mot pause, tu te rappelleras de rien entre le mot pause et le mot lecture, en fait. Mais tu auras vraiment oublié tout dire. C'est comme si c'était vraiment rien passé, c'est vraiment rien passé. Tout le temps, il y a des cours, tu vois. Les trois ou les deux. Bon, on va vous réessayer. Merde, le paquet, il perd du temps. C'est pas grave, tu vas fixer le paquet. Ok, pause. Il fuit un peu peut-être. Lecture. Ouais, t'as réussi. Oh, c'est pas grave. Je suis doué, moi. Ah ouais, on va pas comme ça. C'est en train de 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais compter de 1 à 3 et maintenant et à 3 je crois de 1, 2, 3. Ça va. T'es fort en maths. Bon, tu vas mettre tes mains comme ça. En fait, je vais les pointer, tu vas les compter. Ouais. Hein? Ah ouais, à voix haute. Pareil. T'as 11 doigts? T'as combien de doigts normalement? Bah, on recommence. Le bah, le chiffre il part de plus en plus, de plus en plus. Là, c'est impossible pour toi. Allez, on recommence. Après 3, y'a quoi? Bah, le chiffre revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tu vois, quand il parlait, il était là. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me.